coup ou en portée? C'est le coup. Okay. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les prix pendant la crise de Covid? Oui, il y a un augmentation. C'est-à-dire, surtout dans quel produit? À niveau prix, c'est tout. Tout, pratiquement tout. Comment tout? En fait, j'étais un bon depuis quelques années, 2007, je suis arrivé. Tu ne pouvais pas trouver un euro 50 les kilos. Tu pouvais trouver à 3, ou 4, ou à 5. Maintenant, il y a des fois, ça monte à 7 euros. 7 euros le kilo. Oui, et la salade, carrément aussi. Dans tous les marchés que c'est comme ça, 7 euros, ça a monté comme non, ça? Non, ça dépend, parce qu'il y a à cause de la pluie, il y a toujours la pluie, ça a tué les produits, ça commence à monter parce qu'il n'y a même pas. Alors, utilisez-vous des produits phytosanitaires pour vos produits ou légumes? Il y a des produits sanitaires. Des insecticides. En fait, la réflexion là, il y a des engrais. C'est des engrais pour pour les faire pousser, oui, il y a des certains produits qui sont pour les faire pousser. Il y a des autres produits, par exemple, manioc, ça ne sont pas des produits pour les faire pousser, ça pousse toujours au niveau de terre. Il y a des bananes, qui, des fois, ils sont aussi les produits. Parce qu'ils ne sont pas patates douces. Même pas aussi.